Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix dans la foi. Il y a de ces moments dans la vie, dans l'histoire d'une vie, où véritablement, c'est un regard de foi qui nous permet de trouver une paix. Depuis un an déjà, la vie de notre monde a été bouleversée, bousculée par cette pandémie qui s'est répandue à la grandeur de la planète. Une année où nous avons été vivement éprouvés. Les autorités ont souhaité que ce 11 mars soit une journée de commémoration pour toutes les personnes qui sont décédées pendant cette pandémie. Nous, les êtres humains, nous aimons bien commémorer. D'ailleurs, plus la vie avance, plus on a la tentation de regarder dans le rétroviseur pour se souvenir. Mais le chrétien n'est pas seulement celui qui se souvient, c'est celui qui espère et qui, avec ce regard de la foi, perce déjà l'invisible pour rejoindre la vie qui nous appelle toujours en avant. Cette vie qui est le plus grand don que Dieu ait pu nous faire, qu'il n'a pas voulu compter petitement, mais au contraire, qu'il a voulu, par son Fils, nous communiquer en plénitude. C'est cette foi qui nous rassemble aujourd'hui pour célébrer à la mémoire de nos défunts. Nous avons voulu signifier que pour le chrétien, la mort est un passage vers la lumière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons allumé le cierge pascal. Dieu notre Père, la mort nous rappelle notre condition humaine et la brièveté de notre vie. Mais pour ceux qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Il y a l'espérance des fils et des filles de Dieu, et pour nous brille la lumière de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. À l'instant. Déjà un an s'est écoulé depuis le début de cette pandémie, 4 saisons de vie. Nous voulons donc aujourd'hui faire mémoire de tous ceux et celles qui nous ont quittés pendant cette année. Ceux qui sont morts de la COVID-19, bien sûr, mais aussi tous les autres que peut-être nous n'avons pas pu accompagner comme nous l'aurions voulu. Pendant cette année, 450 paroissiens,
membres des communautés de la paroisse Notre-Dame de Beauport, de la paroisse des Saints-Anges de Montmorency et de la paroisse de la Sainte-Famille de l'île d'Orléans, sont partis vers le Seigneur. Nous avons voulu les honorer aujourd'hui en inscrivant leur nom sur un parchemin qui sera déposé au pied du siège pascal. Rappel que nous sommes appelés, au-delà du temps qui passe, à entrer dans la lumière de l'éternité. Ensemble, dans une foi, une espérance commune, nous nous souvenons devant toi, Seigneur, de ceux et celles qui sont partis au temps des renaissances du printemps. Dans cette même espérance, dans cette même foi, nous nous souvenons également devant toi, Seigneur, de ceux et celles qui nous ont quittés au cœur des splendeurs de l'été. Dans la prière, Seigneur, nous portons devant toi ceux et celles qui nous ont quittés au temps des dernières lueurs de l'été et aux couleurs de l'automne. Seigneur, nous nous souvenons devant toi de ceux et celles qui nous ont quittés au temps de la froidure de cet hiver. Nous prions aujourd'hui pour toutes ces personnes. Nous célébrerons pour elles et leurs familles l'Eucharistie. Cette lumière venue du Christ que nous venons de célébrer, nous sommes appelés à en rayonner par toute notre vie. Nous sommes pourtant bien conscients qu'il y a en chacun de nous, comme en tout être humain, une part d'ombre qui fait obstacle à la lumière du Christ. Tournons-nous vers le Seigneur. Reconnaître nos fragilités et notre péché et s'ouvrir ainsi à sa miséricorde, c'est déjà entrer dans la joie de sa victoire sur la mort. Pitié de nous.
j'annoncera ta louange. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu ne peux accepter, Dieu vivant et saint, que tes enfants soient vaincus par la mort. Tu veux que les êtres humains créés à ton image vivent pour toujours de ta propre vie. Nous avons donc raison de te prier pour ceux qui nous ont quittés. Efface toutes leurs fautes. Donne-leur le bonheur de vivre auprès de toi et de célébrer sans fin ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit: ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et ta loi délivre.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Alors voilà, nous voulions nous unir à cet effort national pour soutenir dans ce temps de pandémie qui est difficile pour tout le monde, qui est très difficile pour tout le monde. Nous voulions, avec ce temps de prière, vous manifester comme équipe pastorale notre solidarité. Et quoi de mieux pour nous que le faire avec la prière de l'Église, avec cette célébration eucharistique, comme l'a dit l'abbé Robert, aux intentions de tous les habitants de l'unité pastorale, en particulier tous ceux qui sont morts, mais aussi tous ceux qui restent orphelins, seuls, qui ont perdu un être cher, ou tous ceux qui souffrent des conséquences de cette pandémie. Et nous avons choisi deux paroles qui sont très... deux cris. Hein, le cri de Job, qui est un homme qui est très durement éprouvé, qui peut-être voit la mort s'en venir, qui commence même à la désirer tellement il souffre, et qui crie, qui a ce cri, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Ah, il ne connaît pas encore personnellement Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est très étonnant la façon dont se finit cette parole. Hein. « Si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. » Mais quelle intuition l'auteur sacré qui a écrit ce livre a eue. Il sait que son Rédempteur est vivant, mais il sait qu'il ne le connaît pas encore. Et cet autre cri dans l'Évangile des disciples, au fond, à qui Jésus est en train de leur expliquer qu'il va partir, et qui ont peur, qui vont se sentir seuls, abandonnés, comme peut-être beaucoup d'entre vous, à travers tous ces deuils que nous vivons, ou cette solitude, ce confinement, vous vivez cet abandon. Nous sommes tous affectés par cette pandémie. Et cette parole de Jésus qui dit « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et ça, c'est cet autre cri de Dieu qui vient répondre à notre terreur, à notre peur, à notre angoisse, et qui te dit « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. » Et entre les deux, ce psaume que probablement la plupart d'entre vous connaissez, hein, qu'on utilise souvent pour les funérailles, qui est un psaume d'espérance, mais qui n'est pas une espérance... On ne se raconte pas des histoires dans la Bible. Vous savez, on raconte des histoires très sérieuses, mais on ne se raconte pas ces choses-là pour se faire plaisir. Hein. « Si je traverse les ravins de la mort... » On n'a pas un Dieu magique qui nous enlève les épreuves, qui nous enlève la souffrance, qui nous enlève le deuil. On n'est pas là pour anesthésier cette souffrance. Quand je perds un être cher, c'est pas vrai que je ne veux pas souffrir. Si cette personne me manque, je souffre et je veux souffrir parce que cette personne me manque. Et c'est ma façon de crier mon amour. Oui, cette personne nous manque. Probablement des gens vous manquent. Mais si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que quand Jésus
prépare ses disciples à son départ, il leur dit que la mort, ce n'est pas la fin. Oh, il ne dit pas que c'est facile. Il ne dira jamais que c'est facile. Lui-même a dû lutter contre lui-même pour aller au jardin de Gethsémani, pour entrer dans sa passion. Il a dû lutter. Il a tellement lutté avec lui-même, avec sa nature humaine, qu'on n'est pas fait pour la mort, hein, qu'il en a transpiré du sang, des caillots de sang, nous dit l'Écriture. Oui, c'est une épreuve qui est difficile, mais il l'a traversée pour nous, pour qu'aucun d'entre nous ici ne se sente réellement seul. Bien sûr, humainement, nous pouvons sentir cette solitude, mais en même temps, Jésus est passé par là d'abord, et il est auprès de toi, il est auprès de moi dans nos épreuves. Et cette parole extraordinaire, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Vous aurais-je dit, sinon je pars vous préparer une place. Hein? » Quelles que soient les personnes qui sont parties cette année, quelle était leur vie, nous savons que Dieu, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, à la dernière limite, a tout fait pour les attirer à lui. Hein, certains d'entre nous sont partis, croyaient, et c'est sûr que la prière de l'Église s'adresse d'abord aux fidèles défunts. Hein, ça, c'est normal, on prie pour les plus proches. Certains d'entre nous croyaient, notre espérance, c'est qu'ils soient rendus au ciel. Mais il y a d'autres demeures, parce que Dieu n'a pas de préférence entre les personnes. Hein. Il nous appelle à croire pour notre bien à nous, pour votre bien à vous, mais il a aussi un amour définitif, absolu, pour tous ceux aussi qui, pour une raison ou une autre, ne l'ont pas encore reconnu, et qui peut-être sont morts sans avoir pu le nommer, l'accueillir. Tous ceux aussi qui ont pu être blessés d'une manière ou d'une autre, et qui se sont détournés de l'Église parce que, au fond, ils ont été profondément déçus, parce que notre témoignage n'était pas cohérent. Et toutes ces choses-là, nous le savons. Hein. Nous savons que la miséricorde de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors nous prions pour eux. Vous savez, Dieu est tellement bon, tellement amour, tellement grand, que nous savons que ça prend une profonde transformation de nos cœurs pour pouvoir être auprès de lui. Personne n'irait à des noces en n'étant pas préparé, en n'étant pas bien habillé, en ne cherchant pas à honorer les époux. Pour aller au ciel, à un moment, l'âme se refuse à y aller tant qu'elle n'est pas prête. C'est comme si je voulais attraper une robe de mariée avec des mains sales. Il paraît que mon père, quand il était petit, il a fait ça pour une de ses grandes sœurs. Ça a causé du problème, parce qu'on sent bien qu'on ne peut pas faire cette chose-là. Alors pour cela, il y a la prière. Nous prions pour nos défunts, pour que s'il manquait quelque chose à leur préparation à ce bonheur éternel, par grâce de Dieu, leur cœur puisse enfin être disposé et s'abandonner à la miséricorde de Dieu, en disant, « Moi, Seigneur, tu sais bien que par moi-même, je n'en suis pas digne. Hein, nous le savons tous ici, par nous-mêmes, nul n'est digne du bonheur éternel. Mais Dieu, lui, il est digne de donner ce bonheur à chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il veut faire. Il ne nous a pas créés pour la mort. Mais ça, c'est le signe de ce cierge pascal, signe de la résurrection. C'est aucune de ces créatures, il ne les a créées pour le néant, pour l'oubli. Il nous a tous créés en vue d'une chose, que nous puissions partager son bonheur éternel. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et pour aller où je vais, vous savez le chemin. C'est quoi le chemin, Seigneur, pour être heureux éternellement? Et le Seigneur nous l'a montré sur la croix, ce chemin. Ce discours, ce que nous entendons là, il l'a dit à la dernière scène, vous le voyez, mais sur la croix, il nous l'a dit, le chemin. La miséricorde, ne pas juger, ne pas condamner, pardonner, avoir souci des faibles, des pauvres, des petits. Alors, le Seigneur nous montre le chemin, et c'est un chemin qui nous dépouille profondément de toutes nos richesses, de toutes nos prétentions. La mort, au fond, nous rappelle notre petitesse et elle nous appelle à nous tourner vers celui qui peut et qui veut nous sauver.
Alors, dans l'Église, bien pauvrement, nous avons cette nouvelle extraordinaire. Et regardez l'humilité de Dieu. Regardez à travers qui il passe pour annoncer cette nouvelle. Pour que ce soit clair que ça ne repose pas sur nous, sur nos bontés. Non, ça repose sur son amour à lui seul. Dieu t'aime. Dieu aime chacune des personnes qui sont parties cette année. Et il ne les a pas créées pour le tombeau. Il ne les a pas créées pour la cendre. Il ne les a pas créées pour être enterrées ou mises dans des funérariums. Ça, c'est des rites qui nous aident à vivre ces séparations terribles. Mais il nous a créés pour une espérance éternelle. Il a créé ces personnes pour la vie. Et pour cela, nous nous unissons à son désir de nous sauver à travers cette célébration en disant, Seigneur, accueille-les. Accueille-les, accueille ceux qui sont déjà partis auprès de toi. Et ceux qui restent, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs à cet amour que tu veux déverser dans le monde et que nous sommes malheureusement tellement doués pour éviter, pour fuir. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Viens nous convertir vraiment, que nous puissions annoncer la bonne nouvelle de ton salut, que nous puissions annoncer cet amour dont tu nous as aimés et que tu veux répandre sur notre terre. Tournons-nous vers lui avec confiance, en présentant ceux qui sont malades, ceux qui sont morts, ceux qui sont seuls, ceux qui souffrent, en présentant aussi nos peurs, nos craintes, parce que le Seigneur a toute autorité pour les porter et pour nous aider à lui faire confiance au-delà de tous ces obstacles qui sont dans nos vies. Alors que le Seigneur nous aide à travers cette célébration, mais plus profondément, c'est tout l'enjeu de la vie chrétienne, nous aide à porter nos croix pour que nous puissions cheminer vers lui et lui permettre, au fond, de nous sauver. Que le Seigneur nous inspire, nous réveille à travers cette pandémie, que nous puissions avoir vraiment nous réveiller pour ceux qui s'endorment et de réaliser à quel point la vie est sérieuse, qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir du fun, de s'amuser, de se distraire, que la vie est infiniment plus belle et plus grande que ça et qu'elle doit être prise très au sérieux parce que n'importe qui, n'importe quand peut partir. Notre espérance, c'est que cette vie nous prépare à un bonheur éternel. Et c'est dans cette espérance que nous allons offrir toutes les personnes que nous aimons dans cette Eucharistie. Frères et sœurs, laissons monter notre prière vers le Seigneur, source de notre espérance. À chaque intention, nous répondrons, Seigneur, garde-nous dans l'espérance. Prions pour l'Église qui marche dans l'espérance à la rencontre de son Seigneur, de son Époux, qu'elle rende compte de la joie du ressuscité et en témoigne au cœur du monde. Seigneur, garde-nous dans l'espérance. Prions pour les chefs d'État et ceux qui nous gouvernent, que leurs décisions soient remplies de sagesse et donnent espoir à tous les peuples, particulièrement en ces temps difficiles de pandémie. Prions pour tous ceux et celles qui vivent des situations éprouvantes, souffrantes, que notre présence à leur côté les aide à garder leurs lampes allumées. Seigneur, garde-nous dans l'espérance.
Prions pour toutes ces familles de nos communautés paroissiales qui ont perdu un être cher au cours de cette année de pandémie, que nous sachions partager avec elles notre espérance et notre foi. Dieu notre Père, toi qui agis dans le monde par la sagesse de l'Évangile, donne-nous d'être persévérants et de durer dans l'espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ceux qui reposent dans le Christ. Que le sacrifice de cette Eucharistie, en les arrachant aux liens de la mort, leur obtienne de vivre en toi pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la mort, sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Seigneur, oh.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Gérald Cyprien, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets.
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais excuse-moi, si je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Thank you.
Prions le Seigneur. Par le sacrifice que tu nous as donné de t'offrir, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tous nos frères et sœurs défunts. Au baptême, ils ont reçu ta grâce, qu'ils reçoivent ta joie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'être humain. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'être humain pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts, puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.